et la gouvernance locale à développer notre terroir, assister les populations et ceux qui ont la responsabilité de la gouvernance locale à développer cette ville à partir de toutes ses potentialités, qu'elles soient physiques, géographiques, historiques et humaines, les potentialités humaines que nous représentons. Donc notre mission, c'est ça. Mais réellement, président, est-ce que vous pensez que le département de Dagana regorge des potentialités qui peuvent aujourd'hui prendre en charge le développement du département? Absolument. Les potentialités, justement, quand on parle de décentralisation, politique de décentralisation, il y a d'abord la question des ressources humaines. Et effectivement, aujourd'hui, nous, en tout cas, nous pensons que les ressources humaines à Dagana sont suffisamment outillées, avisées pour pouvoir soutenir les politiques de développement qui sont basées sur les terroirs. Parce que nous connaissons ce terroir. Nous avons aussi, chacun d'entre nous, comme je vous dis, une expérience qui nous permet d'exprimer en tout cas des politiques, des suggestions qui vont en tout cas dans le sens de développer ce terroir. Sur le plan agricole, vous avez... Sur le plan agricole, sur d'autres plans. Vous avez entendu tout à l'heure la vice-présidente qui est une enseignante, qui est une professeure, donc qui est experte dans le domaine de l'éducation. Il y a des ressources humaines de Dagana qui sont expertes dans l'agriculture, certes, parce que c'est la principale activité. Mais il y a dans d'autres domaines, moi je suis un spécialiste des télécommunications, je peux très bien trouver d'autres personnes qui sont expertes dans le domaine de la culture. Le monsieur qui est à ma gauche est un expert de l'ingénierie culturelle, expert dans l'ingénierie culturelle. C'est une référence très très pointue. Ça veut dire que nous pouvons appuyer cette ville-là dans tous les domaines. Donc, partant de la production jusqu'à la culture. Je ne minimise pas la culture. Au contraire, je la place au centre du développement. Mais